Ben, je m'appelle Charles Chauvet, je suis auteur, metteur en scène et scénographe. En fait, la scénographie, c'est mon activité principale, mais il se trouve aussi que j'écris et je mets en scène des spectacles. Et Coréa La Siva, que je vais présenter au Plateau Sauvage, ce sera mon deuxième spectacle. La transmission artistique, bon, moi, c'est une chose qui m'importe dans le sens où, peut-être par rapport à ma propre formation ou avoir été en relation avec des professionnels, ça a été une chose importante. J'ai fait l'école, donc l'école du Perret en art appliqué et puis l'école du TNS à Strasbourg en scénographie costume. Et le fait de rencontrer des gens sur des projets concrets, ça permettait de rentrer vraiment dans le vif du sujet et de pouvoir faire des propositions et d'être vraiment en contact avec le côté concret du métier. Alors, c'est un projet de transmission qui se fait avec l'école d'art appliqué du Perret, que j'ai moi-même fait en fait il y a quelques années. Il se trouve que maintenant il y a une formation en scénographie. Ils ont lu la pièce que j'ai écrite et que donc on va présenter en février au Plateau Sauvage. Ensuite, on a fait un atelier pratique en fait de lecture et de mise en scène du texte. Ça s'est fait avec deux acteurs de la compagnie. Puis voilà, dernièrement, on a fait vraiment, enfin, je suis allé les rencontrer pour voir leur projet de scénographie. Donc leurs propositions individuelles à chacun sur la pièce. Là, ils sont à mi-parcours, donc ils sont sur des prototypes de maquettes, sur des recherches graphiques, et on essaye de faire évoluer le projet ensemble jusqu'à la prochaine étape, où ce sera un rendu plus formel et ils vont présenter un projet plus abouti. Et l'idée, c'est aussi de faire une exposition au Plateau Sauvage, lors de l'exploitation du spectacle, des maquettes des étudiants. Chaque proposition est vraiment singulière et chacun rentre avec vraiment un intérêt très personnel dans le texte. Ça permettra aux spectateurs de voir avant ou après le spectacle les propositions des étudiants sur la pièce qu'ils auront vue, quoi. Pour moi, faire une transmission artistique, en effet, ça influence le travail que je vais faire sur ma propre pièce, enfin, sur la mise en scène, peut-être même d'une certaine manière sur l'écriture, puisque en fait, en transmettant un projet, par la réception du public à qui on le transmet, on en révèle certains aspects, on le redécouvre en quelque sorte. Donc il y a une influence mutuelle en fait, on apporte quelque chose et sans doute que les personnes à qui on transmet nous apportent aussi beaucoup dans l'élaboration du projet.